Coucou. Bonsoir, 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 bonsoir. Il y a longtemps que je fais pas direct, hein. En fait, que l'habitude, je n'ai plus l'habitude de ça. Ben, l'habitude va venir un peu, un peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir d'abord la Côte d'Ivoire. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir mon pays. Bonsoir mon bon pays. Bonsoir maintenant à l'Afrique. Toute l'Afrique. Bonsoir à l'Afrique. Voilà. Ben, on n'est pas là beaucoup, 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 beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, enfin. Donc, je viens seulement pour venir garer une personne. Je viens seulement pour garer une personne parce que quand tu ne parles pas, les gens pensent que parce que tu as peur ou bien tu veux pas parler. Depuis, il y a, je sais pas, ça fait 2 mois, non? J'ai fait plus de direct parce que j'étais concentrée à autre chose. J'avais mes projets pour venir présenter ça à mes DS Love. M'avait dit, c'est de valeur. Ozoa. Moi, c'est mon Ozoa. Comment tu vas? Donc, voilà, j'ai mes projets pour venir présenter ça à mes petites sœurs et à mes grandes sœurs, aux gens qui sont, voilà, à mes mamans. Le moment que je suis concentrée, les gens me provoquent. Vous savez, dans la vie, là, moi, je ne réponds pas aux gens qui ne sont pas stars. Moi, DS, je ne réponds qu'aux stars. Quand je vois ce que tu vaux, ce que tu pèses, moi, je viens te répondre. Je ne réponds pas aux stars. Et je réponds, voilà, excusez-moi, je ne réponds pas aux gens qui ne sont pas stars. J'attends mon nom, j'attends mon nom, j'attends mon nom. Je ne vais jamais vous répondre. Si c'est moi que vous attendez, je ne vais jamais vous répondre. Parce que c'est ça, vous ne valez pas la peine que je vienne sur la toile pour venir vous répondre. Mais j'attends tout, je regarde tout, j'écoute tout. Parce que j'ai mes petites, j'ai des gens qui sont placés là. Quand tu dis DS, là, ils ne vont pas parler. Mais ils vont venir, ils vont dire, ah, la vieille mère, c'est comment, voici ça, voici ça. Toi là, parce que je bouge maintenant, j'ai des trucs à faire. Mais je vais te dire 2 mots. 2 mots seulement et puis je pars. Mais je vais te répondre et puis je vais te dire non. Toi, Aïcha Diomandé, ton con pourri là, il est venu te répondre après. Toi, Aïcha, tu es en Côte d'Ivoire là, ton con pourri là, il est venu te répondre après. Qu'on ne parle pas là. Vous pensez que non? Qu'on est fini? Je t'avais averti ici, Aïcha. Je t'ai dit, quitte sur ma route. Je t'avais dit, il faut quitter sur ma route. Tu fais amitié avec Aïcha là. Aïcha bizarre. Votre Parisien, Aïcha. Aïcha. Si vous le jure que moi, je suis à Paris. Je descends à Paris. Je vais venir vraiment. Je vais venir à Paris. Il est venu à Paris. Moi, j'aime pas me battre. J'aime pas me battre. Je ne suis pas si là, toi, ici, pour venir me battre. Mais ce que tu vas sortir dans ma bouche, tu peux pas supporter, en fait. J'aime pas les clashs encore. Je vous ai déjà dit, ne me provoquez pas. Parce que quand je vais rentrer encore dans les clashs, là, je n'ai pas arrêté. Moi, je ne sais pas insulter les gens. Mais quand on m'insulte, vous avez ma voix sur votre route. Moi, je n'aime pas provoquer les gens. Pendant tout ce temps, j'étais concentrée. J'étais concentrée à mes projets. Dieu merci, j'ai fait sortir un buzz où je dis je pleure. On pleure, les gens, ils ont pris ça pour faire ça buzz, que ça m'arrange. Jusqu'à ce que le buzz va être fini, au moins cela, ça me rapporte encore plus de visibilité. Aujourd'hui, quand je vois sur la toile, les gens qui disent je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, ça me fait plaisir parce que le moment que je ne suis plus là, voilà, quand on dit je pleure, je pleure, je pleure, on sait que non, c'est DS, on se rappelle de DS. Dieu merci, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. Comme on dit les likes, là, moi, ils ne m'ont pas les likes. Les stars de la Côte d'Ivoire que vous respectez là,
Je n'ai pas rentré dans mes collègues. Ce sont mes collègues, mais je ne vois pas si la toi, à part like de la personne, les followers de la personne, à part si on veut enlever ça. Et puis, on enlève savoir s'exprimer super bien, on enlève ça. Je ne vois pas en Côte d'Ivoire qui est mieux que moi. Je ne vois pas. Si les, ceux qui sont sur la toi, je ne vois pas. Sont petits ou sont grands, je ne vois pas. On n'est qu'à enlever les likes là. On n'est qu'à enlever, comme on appelle, parce que moi, voilà, je ne suis pas trop, je suis une personne, je ne suis pas trop motivée sur la toile. Mais quand je viens, je viens. Là, je fais, je donne ma voix, puis après, je pars. Je ne vois pas. Les gens que vous courez derrière eux, vous les respectez, parce que dans la vie, il faut respecter les gens. Il y a longtemps que je suis là, toi. Mais on n'a qu'à enlever les likes, sa voix s'exprimer super bien, on n'a qu'à enlever ça. Peut-être que c'est sur ça qu'il peut me battre. Mais si ce n'est pas ça, je ne vois pas si la toi qui est mieux. Donc toi, Aïchala, tu as fait ça sur Emmanuel Akita. Moi, je vous ai vu ensemble, toi et puis Emmanuel Akita. Je dis, est-ce que cette fille-là me connaît, cette fille-là? Moi, tu m'as fait ça. Mais ce qui s'est passé entre nous là, dimanche, je pense dimanche ou lundi, il est venu expliquer ça aux Ivoiriens. Ton vrai visage, tu voulais mettre ça, tu cherchais amitié. Parce que toi, quand les gens qui sont connus là, tu fais amitié avec eux. Voilà, moi, qui ne connais pas DS Collection, peut-être la personne qui n'est pas connue ne connaît pas DS Collection. Sinon, tout le monde connaît DS Collection. Tu as fait amitié avec moi. Mais vu que moi, j'ai un cœur qui est blanc, qui est bien, moi, j'ai accepté ton amitié, enfin. Parce que moi, j'accepte l'amitié de tout le monde. Mais pas amitié pour rentrer chez moi à la maison, non. Mais toi, je t'ai pris comme une amie. Tu m'as déchiré, quoi. Voilà, mais tu m'as battu, enfin. Tu m'as tracé et puis tu es parti. Toi, Aïcha, toi, tu es en Côte d'Ivoire là-bas. Toi, je t'ai envoyé chez moi à la maison. Tu dormais chez moi. En Côte d'Ivoire. Je me promenais avec toi. Tu faisais miskine comme ça. Il est ma faux, il en a marqué car mon travail. C'est pour cela que toi, quand je dis tout le temps, Nyamorodé, quand Nyamorodé n'y est rodé, Béorodola, il est rodé, passe. Si tu ne me laisses pas, ton mari, mes soeurs, si tu ne me laisses pas. Tu sais que non, le sale boulot, je sais faire. Je ne vais rien lui faire, je ne vais pas l'insulter. Mais ton mari, là, il a tout fait, il va te quitter. Il a lui donné go. Parce que toi, là, tu n'es pas une femme pour lui. Femme, tu n'es pas une femme pour lui. Tu vas me laisser tranquille. Laisse-moi tranquille, Aïcha. Aïcha, tu es en Côte d'Ivoire là. Faut me laisser tranquille. Bizarrement, c'est les Aïcha là, mais tu me torpilles. Moi-même là, quelqu'un qui s'appelle Aïcha, ne vous approchez plus de moi. Parce que je n'ai jamais la chance avec les Aïcha. Toi, Aïcha, tu es en Côte d'Ivoire là. Hein, on parle en Côte d'Ivoire. Toi, Aïcha, tu es à Paris là. Si tu ne me laisses pas. Je reviens pour toi, dimanche ou lundi. Parce que maintenant, j'ai quelque chose à faire. Dimanche ou lundi, je reviens pour toi. Ce que tu racontes aux gens, moi, maintenant, j'ai raconté la vraie version aux gens. Comment ça s'est passé? Parce que Aïcha, et Maria Keta, quand moi, j'ai vu Aïcha dans tes directs, là, moi, j'ai commencé à rigoler, en fait. Parce que celle-là, c'est pas une... Elle va aller gâter. Voici ce qu'elle va faire. Elle va gâter... Elle va gâter ton nom. Elle va dire que non, c'est lui qui t'a donné gars. Gâtier. Et pourtant, elle-même, elle n'a pas de gars. Elle va dire que non, c'est elle qui t'habille. Elle va dire aux gens que non, c'est elle qui achète tous tes trucs. C'est elle-même qui t'es fait. C'est comme ça, elle est. Elle voulait essayer avec Serie Docas aussi. C'est une peste. Tu veux te faire connaître. Moi, je vais te faire connaître si là, toi. Tu veux te faire connaître. Mais à la manière très amère. Tu veux te faire connaître.
toi, tu étais mon ami. C'est pas moi, je t'ai trahi dans l'amitié. C'est toi, tu m'as trahi dans l'amitié. Tu m'as trahi, tu m'as poignardé. Tu voulais me montrer. Mais Dieu a dit que non, celle-là, dans son amitié, là, elle était claire, elle était bien. C'est vrai, on est ici là, toi. Mais dans la vie privée, là, Dieu connaît le cœur de tout le monde. Voilà. Il y a ce que les gens sachent. Il y a ce que Dieu même, il sait. Attends, je descends. Ouais, je descends. J'arrive. J'ai appelé quelqu'un. La personne va aller m'accompagner avec ma voiture. Tout ça. Je dois aller quelque part. Donc, je ne peux pas me concentrer si mon direct. Je ne peux pas me concentrer sur mon direct parce que Aïcha, c'est pour venir te dire. Je ne suis pas encore finie. Je suis concentrée. Et puis, fini là, ça fait deux. J'arrive. Je vais venir dimanche ou lundi si j'active. Si j'allume mon direct là. Et moi-même, là, je te fais quitter si cela. Célébrité là. Malala, ni bien amoureux de Soromi, bi du finger. J'arrive. Toi, Aïcha Diomandé là, c'est toi qui as le papa de tout le monde, non? Toi, tu penses que non. Toi là, les gens n'ont pas ton papa. J'arrive. Tu as compris? Aujourd'hui là, c'était ta chance. Aujourd'hui, samedi là, c'est ta chance. Dimanche ou lundi là, si j'active là, mon direct là, ce qui est dedans et te montrer. Tout ce que tu racontes pour Emmanuela Keta, tu mens. C'est pas pour défendre Emmanuela Keta, c'est tu mens. Parce que Emmanuela Keta, cette fille-là, moi je la connaissais en vain. On ne marchait pas en vain, mais je voyais tous ses gestes. Emmanuela Keta, c'est une fille qui a ça. Emmanuela Keta, je sais que non, c'est une fille qui n'a pas faim. Parce qu'on est, on a des amis en commun. Tu mens. C'est la partie là, mais tu m'as tué. Et puis, il dit que non, il est venu te répondre. Tu as compris? Tu veux te faire connaître? Parce que moi, je ne réponds pas aux gens qui ne sont pas stars. À des abonnés de 20. Moi, je ne les réponds pas. Non, non, non. Moi, je ne les réponds pas. Tout le monde dit ça. DS ne répond pas. Moi, je ne réponds pas aux gens qui ne sont pas stars. Il n'y a pas de montant si les gens ne sont pas stars. Pourquoi? Il n'y a pas de truc à faire. Donc, c'est pour te dire, je ne suis pas là pour défendre Emmanuela Keta. Je ne suis pas là pour la défendre. Je suis venu pour me défendre moi-même. Mais je vais te rendre star. Amen. Tu as compris? Je te guettais. Quand je faisais mon clash là, avec les autres là, c'était toi qui étais en bas. C'était toi là qui étais en bas. C'était toi qui mettais feu dedans. Mais je vais te faire connaître. J'arrive. Tu me connais où? Tu me connais. On a déjà eu des confrontations au téléphone. On a déjà eu des confrontations. Surtout quand ils voulaient te frapper. Comme moi, j'aime pas frapper les gens. J'aime pas porter main aux gens. J'ai dit, je laisse. Comme on est des grandes filles, tout ça là. On a des petites sœurs. Tu nous suis. Tu veux nous ressembler en nous. Donc, je laisse. Mais tu es allé trop loin. Le gars que tu dis là, le gars que tu dis là, que tu m'as donné là, que je me suis marié là, je viens. Quand il a activé mon direct, faut fuir. Tu me connais où? En tout cas, mes DS Love, c'était moi. Je suis vraiment occupé. Et je vais vous dire dimanche ou lundi, le jour que j'active mon direct, c'est pas pour venir pour parler de quelqu'un, c'est pour venir pour parler du règlement de compte des copines. Règlement de compte des copines. Toi, tu as encore dit voilà. Toi, tu n'as rien. C'est toi qui as venu faire ami avec les femmes que tu as. Faut te mettre à ta place un peu. Fais ton mariage. Tu sais, toi, tu as encore dit voilà, Aïcha. Moi, je t'aime beaucoup. Faut te concentrer à ton mariage. Nous, là, on n'est pas mariés. Nous, là, on n'est pas mariés. Faut te concentrer à ton mariage. Quand je te parle là, pourquoi tu ne comprends pas? Après, c'est pour dire que non, DS connaissait un contre moi. Et pourtant, même, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas contre toi, mais comme en tant que une petite soeur. Parce que c'est toi qui es rentré dans ma vie. Et elle te dit deux mots, et puis elle te fait asseoir là-bas. Mais ni mentoy.
Parce que autrefois, j'étais en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas fait gaffe parce que, vous voyez, j'ai laissé ça comme ça. Mais cette fois-ci, si je rentre là, il fait bruit. Si ni mentoy, il va te forcer à me laisser. Je te le dis, hein. Laisse-moi tranquille. Toi, Aïcha, rendez-vous dimanche ou lundi